Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat David Ben Sortonem Azalfritna, Dvora Bat Esther, Lucienne Bat Reina, Eliaou Vanish, ainsi que le Fat Shlomo Eliezer Ben Chavalea, Chaim Gershon Ben Freida Rivka. Si vous souhaitez aussi de l'Iden, prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions au Sechanet, Darim Perek Vav, Mishnatet, Anoder Minayain, Moutar Be Yain Tapuchim, Minashemen, Moutar Be Shemen Shumshemin, Minadvash, Moutar Be Dvash Tmarim, Mina chometz, mutar be chometz sidvaniyot. Mina kereshin, mutar be kaflutot. Mina yarak, yerek, mutar be yarakot asade, mipene, shehu, shem, levai. On continue le principe, ouais, vous avez bien compris le principe depuis le début du Pérec, et même en arrière. Lorsque tu prends un coup de colère, que tu t'interdis une certaine chose, qu'est-ce qu'on implique dans ce que tu interdis? On avait vu dans la Mishnah précédente des objets. Des produits mères qui vont faire un produit fils, est-ce que ce qui en découle s'interdit? Ça, c'était un aspect. Là, maintenant, on va découvrir les choses. On va prendre l'exemple, le premier exemple. Anoder mina yain, mutar ba yain tapuchim. Celui qui s'interdit le vin, il aura le droit de prendre du vin de pomme. C'est-à-dire, le principe, il est comme ça. Il y a des objets que. Il y a des noms qui qualifient un ensemble. Mais pour certains éléments de l'ensemble, il faut nécessairement leur ajouter un attribut pour qu'on comprenne ce de quoi tu parles. Je ne sais pas, on va prendre du vinaigre. On appelle tous du vinaigre ce qu'on achète, la même bouteille du vinaigre. Vous envoyez votre fils à l'épicerie, au supermarché pour acheter du vinaigre, il va venir avec une bouteille de vinaigre, ce qu'on appelle du vinaigre. Tout le monde a peut-être du vinaigre. Si vous voulez un vinaigre un peu original, style du vinaigre balsami, ou du vinaigre de ou encore toutes sortes de la farine. Farine, c'est quoi de la farine? Farine de blé. Des fois, on peut faire de la farine de maïs. Alors, tu t'es interdit la farine, est-ce que tu t'interdis la farine de maïs? Tu t'interdis le vin, est-ce que tu t'interdis le vin de pomme? En français, c'est, je crois que ça n'existe pas, du vin de pomme en l'occurrence, mais on dit du cidre. Mais imaginez qu'il y avait un comme ça, prenez n'importe quel nom. Du sucre, est-ce que tu vas t'interdire une espèce de sucre qui est plus tellement du sucre roux? Du sucre roux, c'est pas ce qu'on appelle du sucre. On dit pas passant le sucre, je te parle du sucre roux. Je sais pas où elle est la limite exacte, mais en tout cas, vous avez compris le principe. Donc maintenant, à la différence de la Mishnah précédente. Mishnah précédente, c'était pas la même chose. Mishnah précédente, on parlait que tu t'interdis l'article mère, est-ce que tu interdis aussi le produit? Là, c'est autre chose. Là, c'est tu t'interdis un certain produit, un certain objet, que... Concrètement, il se présente encore sous d'autres aspects avec un Shem Levaï, comme c'est les derniers mots de la Mishnah. Shem Levaï, c'est un nom qui accompagne, un attribut. Alors là, tu ne les as pas inclus dedans, et la Mishnah me donne toute une série d'exemples. Et on va les faire tous, ils vont quasiment être faciles tous, sauf un qui va être compliqué. Anoder Minayin, celui qui est interdit du vin, Moutar Bayayin Tapurim, on a le droit de prendre d'utiliser du vin de pomme. Ou encore Minashemen, de l'huile. Alors, tu peux faire de l'huile. Alors, regardez comment ça l'envers. Mina shemen, moutar be shemen shum shemin. Il s'interdit de l'huile. Il a le droit de prendre de l'huile de shum shemin, c'est le sésame. De l'huile de sésame. En fait, parce qu'à leur époque, l'huile, essentiellement, c'était l'huile d'olive. Regardez comment ça a changé. Aujourd'hui, de l'huile, quand on dit de l'huile, on prend de l'huile, ça peut être toutes sortes. De l'huile de tournesol, de l'huile de sésame ou de l'huile de ce que vous voulez, d'arachide. Mais en tout cas, sûrement pas de l'huile d'olive, parce que si on veut de l'huile d'olive, on dit donne-moi de l'huile d'olive. Donc aujourd'hui, ça s'inverse. Celui qui s'interdit l'huile, par exemple, eh ben, il aura le droit de prendre l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est un autre produit, c'est pas de l'huile. C'est plus considéré comme de l'huile. Là, à l'époque, c'était à l'envers. Quand on disait l'huile, on faisait référence à l'huile d'olive. Et. D'accord? Et quand on voulait parler d'huile spéciale, on disait du shemen shum shemin, shemen egozim, shemen. Voilà. De même principe avec minat vache, celui qui s'interdit du miel, moutar bit vache tmarim, alors on doit prendre du vache tmarim, d'utiliser du miel de date, parce que quand on dit du miel dans le commun, dans le jargon classique, on parle de miel d'abeille. Donc du coup, tu m'as fabriqué un miel, tu m'as apporté du miel de tmarim, de date. Ou encore, tu vas me faire un miel avec du sucre que tu as fait, comme les gâteaux tunisiens, on met là-bas un miel, en fait, en réalité, il n'y a plus du tout de miel, c'est uniquement de l'eau et du sucre, et t'as fait un sirop, en fait, même si tu l'appelles miel, c'est pas du miel. On va selon, d'accord? Et ça, en fait, le principe, il est tout
comme expliqué, tout objet, tout nom commun, qu'il faut que tu le rajoutes un épithète pour le qualifier, que tu parles d'une espèce différente, ben dans ce cas-là, cette deuxième espèce n'est pas inclue dans la généralité. Avec encore un autre exemple, Mina Chometz, celui qui va s'interdire le Chometz, le vinaigre, Moutar be Chometz Sidvaniyot, il aura le droit de prendre du Chometz Sidvaniyot, c'est le même ce qu'on avait expliqué dans la mission précédente. Déjà, le vinaigre qui vient des petits raisins aigres. Parce que lorsqu'on parle de vinaigre, on prend du vinaigre classique, ce qu'on achète. À l'époque, c'était le vin qui avait tourné au vinaigre, on utilisait ça en vinaigre en tout cas. Aujourd'hui, on utilise le vinaigre naturel, je sais pas comment ça s'appelle, la bouteille classique. Ok? Avec encore un autre exemple, c'est Mina Kereshin, Moumotar, Ba Kaflotot. Alors là, comme son nom l'indique, la Kaflotot, j'ai un peu cafouillé pour comprendre de quoi ça parle. C'est une sorte de cresson. Et le Kaflotot, c'est une espèce particulière du cresson. Alors, j'ai pas d'exemple concrètement, mais imaginez, je suppose. J'ai du mal un peu à comprendre, je ne veux pas parler pour rien, quoi. C'est une sorte, en fait, concrètement, il appartient à la famille, le principe, on peut le décoller, on peut le déduire. Il appartient à la même famille, mais il a pris un nom spécial, un nom différent de la famille générale, parce qu'il a une petite nuance, ouais. Imaginez, je ne sais pas moi, on va prendre dans les herbes de cuisine, c'est peut-être fréquent, je me suis interdit, il y a deux qui ont, ça appartient à la même famille, dans les légumes, ça peut... Toutes sortes de pommes, tout ça, qui va y avoir une espèce que, je sais pas, on va prendre un exemple. Il y a les tomates, ouais, mais à part ça, il y a les petites tomates chéries. C'est les toutes petites, là. Ou encore, alors là, on n'appelle pas, donne-moi une tomate, je te donne une tomate chérie. Tu peux me dire, donne-moi une tomate et tu vas me sortir une olivette. Vous savez, c'est quoi les olivettes, les tomates, comme ça, qui est, de temps en temps, il y a des saisons comme ça, où il y a des tomates qui sont plus en forme d'olive, elles sont plus fermes, elles ont une chair plus. Ça s'appelle une tomate. Mais, tu veux une tomate, je vais pas te sortir 5 petites tomates chéries. C'est une autre espèce. Même si maintenant, alors maintenant il vient m'apprendre que même si la tomate chérie avait elle-même un nom différent, on l'appelait autrement, tout simplement, malgré tout, elle n'est pas interdite dans la généralité. Ok? Dans l'espèce mère. Dans l'espèce initiale interdite. Mena Yerek, celui qui s'interdit aussi les légumes, eh bien, Moutar Meirakot Asadé. Il aura le droit de prendre ce qu'on appelle les yerakot asadé. Yerakot asadé, c'est les légumes qui poussent sauvagement. Alors, si je te dis, amène-moi des légumes, je dis à mon fils, quand tu rentres à la maison, ramène-moi des légumes. Ça veut dire, passe au supermarché, achète-moi quelques petits légumes. Ça veut pas dire qu'il va partir dans la rue, il va se mettre à braquer. Même s'il y a naturellement, il peut y avoir des myrtilles qui vont pousser en bas, ou je sais pas quoi. Il va pas se mettre à ramasser des légumes dans la rue. Il y a ce qu'on appelle les yirakot et les yirakot sadé. Les yirakot sadé, c'est ce qui pousse de manière sadé, dans les champs tout seul, qu'on mange aussi, on peut manger, mais on les inclut pas dans ce qu'on appelle nous les yirakot. Ok? Encore avec un autre exemple, et dans tout, non, la généralité, mi pene, shoushem levaï, toutes les raisons de tout ce qu'on a pris dans notre Mishnah, qu'on te les permet, c'est parce qu'en fait elles ont un shem levaï, que la même, que on qualifie cette espèce nuancée avec un shem levaï, avec un épithète différent, un adjectif, pour les différencier l'espèce. Je dis pour différencier l'espèce, d'accord? C'est-à-dire si tu t'interdis les légumes, des légumes sautés, tu ne pourras pas les manger, parce que même si ça n'a pas un shem levaï, tu ne différencies pas les espèces, mais tu différencies plutôt la manière de la préparer. Mais là, on parle de shem levaï, d'un adjectif, qui va qualifier, qui va définir une espèce différente, elle n'est plus inclue dans l'espèce générale interdite. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.